Good job. Ông chủ nhiệm ra cả một to cái trong là ca để tệ vị thì xã là ca hay mình đi cứ hàng mì tử vi đời mình đang đợi mình đi để tổ sức vì cầm mì tử vi nó mốc làm nàng đời mình đang đợi mình đi ban là sum rồi đẹp chạy cái tê bằng hai như đã mình chăng như video được lựa chọn trong tour tour ông nhìn ra sông suối bạch chạy từ mì tử vi đầm nàng đang đang đầm đi để tour sứt ha ta bàn bạch chạy cho bà lo tí ông pi tạo thành nhàn ngày cửa xá video đang miền bầm non sông ơi nẹp bạch chạy cái tì bình trang đi hay cất tiền ai cửa tạo thành nhàn ai cửa xá nâng nề tì để từ cầm nót ơi bằng hai anh phong ta lộ ai bạch chạy bất thay mà chấp bạc thế vô mình được ví merci monsieur le président bah, oui ceci thiên, a été fait bah, je n'ai pas été très adroit mais ça a été fait donc c'est sur la liste E109/2.3 c'est une liste qui a été déposée le 22 juillet 2011 concernant l'œuvre de Roshan Sadanatar LRN V00720415 le premier extrait que vous avez correspondait à la 14e minute 39e seconde jusqu'à លោកវិធានសំទោសលេខអានបញ្ញាមិញអ្នកបកប្រែបកអត់តន់ទេសូមឲ្យយឺតបន្តិចពីព្រោះអ្នកបកប្រែបកអត់តន់ទេ Oui, Monsieur le Président. Je reprends donc. Concernant l'œuvre de Roshan Sadanatar, il s'agit de la pièce E109/2.3R, ERN V00720415. Le premier passage que vous avez visionné correspond à la 14e minute 39e seconde jusqu'à la 15e minute 19e seconde sur la même œuvre. Je sollicite votre autorisation de diffuser un autre extrait qui correspond à 23 minutes 07 secondes, 1 heure 06 42 secondes, 1 heure 07 08 secondes. Ultérieurement, Monsieur le Président, je solliciterai à nouveau votre autorisation pour passer toujours dans la même œuvre de Roshan Sadanatar, toujours une interview de Monsieur Kyo Sampan, qui correspond à la 7e minute 12 secondes, 7e minute 35e seconde, se poursuivant par 7e minute 55e seconde, 8e minute 20e seconde. Enfin, à l'issue de mon intervention, je solliciterai que soit diffusé un extrait de l'œuvre de M. David Aronovitch,
rương Stéphane David Aronovich Lindbergh đại trưởng ban chạm bàn chàng cao phim sơn mình document E109/2.3 ERN V 00 72 04 14. Il s'agit des passages débutant à la 41e minute, 36e seconde, jusqu'à la 42e minute, 38e seconde, 18e seconde. Si vous m'y autorisez, je peux donc poursuivre ma présentation de documents. Et je demeure toujours sur la lecture attentive de la thèse de M. Kyesampong, avec un souci de porter à l'information de la Cour, mais également, comme vous l'avez dit dans votre mémorandum, d'informer le public des pièces qui, à mon sens, sont primordiales. Donc nous sommes toujours sur la pièce E3/00/76/73/84. Il s'agit là d'une citation reprise par M. Kyesampong concernant l'économiste Adam Smith. C'est l'objectif de cette reprise et de montrer la conception sociale de M. Kyesampong. Le fait primordial qui doit retenir l'attention des économistes, ce n'est donc pas l'individu, mais la nation. Pour étayer cet argument, je vous demande la possibilité de diffuser, Monsieur le Président, l'extrait 4 bis pour les services de vidéo. អរងបួនស្ទួនបាទសូមអញ្ជើញចាក់បង្ហាញអង្គជំរះអនុញ្ញាតសូមផ្នែកសោទស្សន៍ចាក់ផ្សាយនៅវីដេអូនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍សម្រាប់អង្គជំរះនិងភាគីសម្រាប់អង្គសម្ដនាការសូមអញ្ជើញ ពលនេះដូចវាកម្រើហើយដូចកម្លាំងកសិករនឹងវាកម្រើហើយវាចេញជាកម្លាំងដែលមិនកើតចំនួនតស៊ូមុនចិត្តតែប្រាំវាការពារប្រទេសបានសំដោះប្រទេសបានហើយដល់ឥឡូវនេះកសាងប្រទេសបានកសាងពិសេសកសាងជនបទបានហើយដែលកសាងជនបទនេះវាជាមូលដ្ឋានប្រទេសយើងដែលយើងថាអត់ទុនអត់ទុនណាស់ Monsieur le Président,
Ce sont les aléas de la technique. L'intégralité n'est pas parue. Si vous me donnez l'autorisation, je dispose de la traduction, de transcript. Je pourrais le lire parce que tout n'est pas apparu. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais lire c'est les passages que je vous ai cités. Maintenant, c'était dynamique. La force de la paysannerie a rendu le changement possible. Cette force s'est battue pour libérer le pays avant 1975. Merci, Monsieur le Président. Nous nous étions préalablement entendus avec les services de la vidéo et il est convenu que je leur cite l'extrait 4 bis. Cela correspond aux minutes que je vous ai indiquées tout à l'heure. Donc, s'ils peuvent bien lancer le 4 bis qui correspond à la 22e minute 10e seconde, jusqu'à la 23e minute 7e seconde.
và phụ nữ đôi việc cầm ra cái đôi cầm lăng cả sẽ có nó về cầm ra cái về tranh về cầm lăng đây mình cao cho nên to su muôn chân sản phẩm với cà phê và tê bản còn đỏ và tê bản hai đó là lấy đấy co sang và tê bản co sang thì sẽ co sang cho nó bọt bản hai đại co sang cho nó bọt đấy như chỉ mua là than và tê dương đại dương thả ọt tung á ca tấp dương miên tân nơi lưu đấy rồi bỏ phải tê dương hai nâng lưu cầm lăng vô là cám rồi bỏ cả sẽ có dương hai tấn đã chạy Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On se satisfera de ça. Je poursuis la présentation de la thèse sur l'ERN Khmer 00-76-74-31. Anglais 00-75-06-31. Français 00-23-66-32. Je lis. Un régime strict d'économie. L'industrialisation exige l'investissement de fonds considérables. Ces fonds doivent être obtenus par l'accumulation des ressources propres du pays. En conséquence, il est nécessaire de pratiquer le régime de la plus stricte économie. L'État devait être le premier à en donner l'exemple. Il devait être le premier à éviter toute dépense de prestige et à éviter le moindre gaspillage. Le premier travail serait de classer strictement les besoins nationaux les plus urgents et d'ajourner les satisfactions des autres. L'action énergique sur les dépenses de l'État pourrait être accompagnée d'un transfert du personnel administratif en surplus à des entreprises d'État de production. Ainsi que d'une réduction d'une partie de l'armée et d'une création des troupes de réserve qui seront occupées dans des secteurs économiques productifs. Il est certain que des mesures considérables pourraient être économisées par la simplification des rouages administratif. La réduction du personnel et la suppression des prodigalités dans les organismes de l'État. Il s'agit là de l'organisation d'un régime strict. L'encouragement, pardon, toujours la thèse, point de vue social, ERN, Khmer, 00-76-74-39-00. 00-76-74-40 anglais 00-75-06-35 français 00-23-66-41. L'encouragement et le développement de la production. Nous avons dit que des mesures tendant à réduire les charges des paysans et à augmenter leurs revenus peuvent amener ces derniers à consommer davantage et
à retenir ainsi la production. Ce qui peut constituer une source de difficulté grave. En effet, on parle de l'augmentation de la consommation par les paysans. Ce phénomène aboutit à réduire le volume des produits agricoles commercialisables au moment même où il faut alimenter l'industrie. Il ne faut pas oublier par ailleurs que la transformation sur place des produits agricoles ne doit pas se faire au détriment de l'exportation. Vous trouvez là ce qui a été appliqué, à savoir produire pour tout exporter. Toujours dans la thèse, côté social, ERN, maire, 00-76-74-32-00-76-74-33. Anglais, 00-75-06-32. Français, 00-23-66-33. Afin d'arriver à cette stricte application du régime d'économie dans tous les domaines, chacun devrait avoir le droit et le devoir de combattre publiquement tout état d'esprit tendant à s'opposer à ce régime. C'est écrit en 58-59 et à inciter au pour ce qui touche le gaspillage, aucune administration ou personne ne doit être indulgent envers soi-même ou envers un autre, ni remplacer le contrôle et la vérification mutuelle par l'indulgence réciproque. Le mouvement pour la réalisation des économies doit être un mouvement national. Il s'agit là seulement d'une lecture que je soumets à l'appréciation de la Cour. Monsieur le Président, je sollicite votre autorisation de diffuser une autre vidéo qui est donc toujours dans l'œuvre de Roshan Sayanatha 109-2.3-2-ERN-V-00-72-04-15. Il s'agit des paragraphes, des extraits allant de la minute 7e minute à la 12e seconde à la 7e minute 35e seconde, puis de la 7e minute 55e seconde à 8e minute 20e seconde. Avec les services audiovisuels, nous avons identifié ce passage sous le numéro 2. ដាក់បញ្ចាំងនៅវីដេអូទាំងពីរផ្នែកដែលមេធាវី
ដំណាងដើមដំណីបានស្នើសុំអំបញ្ញមិញនេះបងប្រជុំនៅបងស្ដាប់គាត់វែកញ៉ៃអីគាត់និយាយឃើញថាមានសមត្ថភាពវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងជាហ៊ុនយន្តហ៊ុននេះទុកនៅកូម៉ាអីហ្នឹងខ្ញុំអីហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ដែរពីដើមអត់បានទេដឹងតែស្លុតសចេះកូត្រលេងយូឡុងលេងអីហើយអ្នកតាត់បាល់ទៅមានបញ្ហាអីពេលទៅប្រជុំម្ដងម្ដងនឹងបញ្ញាជនទៅណែប្រជុំម្ដងម្ដងអញ្ចឹងចេញមកវិញដូចថាវាយល់វាច្បាស់យល់សភាពការវែងឯងសភាពការអីធានការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះគេដូចថាឃើញតែត្រូវតែទៅតាមហ្នឹងរាប់មកអញ្ចឹងMerci, Monsieur le Président. សូមអរគុណលោកប្រធាន Je poursuis la présentation. បាទខ្ញុំសូមបន្តកិច្ចបាទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៀត présenté l'intégration de ou la participation depuis le début de Monsieur Kusampan dans le cercle marxiste au sein du PCK. Je souhaite maintenantខ្ញុំជាបន្តនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឯកសារដែលមានបំណងក្នុងការបង្ហាញអំពីការបន្តទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញឯកសារ ES 4.23 il s'agit toujours de l'histoire récente du Cambodge ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីថ្មីដែលទៅសេដោយលោកខៀវសំផនដដែល URN លេខ URN ខ្មែរជាភាសាខ្មែរ0 0 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
l'attaque de Capcom. Un soir de janvier 1968, trois hommes, les mêmes qui m'avaient accompagné à chacun de mes déplacements, vinrent me demander de préparer mes affaires. Le jour J était arrivé. La nuit venue, nous quittâmes le village. Tout le long du chemin, il me parlait des autres qui allaient encercler la garnison de Capcom sur la route numéro 4 dans le district de Trapeang-Kralung. Ils avaient déjà examiné soigneusement la situation. Les soldats ne semblaient se douter de rien. Toute la nuit, avec un sentiment de profonde fraternité, nous attendîmes de leurs nouvelles. Ils avaient décidé de se rendre maître de leur propre destinée. Ce document a juste... La présentation de document a pour intérêt de montrer que malgré... l'absolu secret, Monsieur Kyosampan est informé même de la préparation de cette attaque. Même document, histoire récente du Cambodge, ERN Khmer 00 10 38 35, ERN anglais 00 10 37 45, français 00 59 54 22. Au cours d'une de mes rares sorties, nous sommes en 71, c'est écrit dans le texte. À l'occasion d'une tournée de travail de Pol Pot et de Nunchea, il m'est arrivé de voir
de mes propres yeux deux files de bicyclettes alignées à perte de vue, effectuées continuellement pour l'un d'un itinéraire correspondant à plusieurs centaines de kilomètres. L'une, le trajet aller, et l'autre, le trajet retour. Joignant un bout les régions du Grand Lac au sud de Siem Reap et de Kampong Thom et à l'autre la région de Siom Trang, les bicyclettes qui descendaient du nord-ouest étaient chargées soit de sacs de riz soit de toutes sortes de denrées. Celles qui remontaient était peu chargé. Ce document a le même objectif que le document précédemment soumis, de montrer que M. Kyosampan bouge et voit des choses. Document E3 /5. Il s'agit de l'étendard révolutionnaire numéro 8 d'août 75, ERN 00063 318, anglais 00 401 482-00 401 483, français 00 53 89 58. Le passage est intitulé « Les étapes de l'évolution de la situation économique et financière du parti à compter de la moitié de 1973 jusqu'au début de 1975. Dans les régions libérées de la première catégorie, on a organisé et généralisé le système de la coopérative. Progressivement, vous vous souviendrez de ce qui était écrit dans la thèse, rapidement, alors que dans les régions libérées de la deuxième catégorie, cela s'est fait à une vitesse plus lente. Mais cela a avancé quand même. On a supprimé la propriété privée des terres, la propriété privée des moyens de production et a imposé la propriété de coopérative de façon générale. Ce document a pour objet d'établir un rapport entre ce qui a été écrit en 1958-59 et puis en 1978-75 par l'étendard. Document IS 20.21. Il s'agit de la deuxième lettre ouverte de M. Kyosampan. ERN 00 00 28 08, anglais 00 00 28 05, français 00 62 37 78. Les Américains ont violemment bombardé le Cambodge durant le premier semestre 73. Ces bombardements en question ont gravement endommagé les forces khmer rouges et dans le même temps, ils ont réduit à néant l'économie de la campagne khmer, ce qui a donné l'occasion aux khmer rouges de transformer les coopératives de bas niveau qui furent créés à la fin des années 71
tang pi chong chnam 1976 dans la région qui était sous leur contrôle roi mo hai neu knong tambon dae ke kan kap nu au niveau oi khlai te chea sahakor enfin d'enfer à l'instrument de leur pouvoir tvoe chea upakor rot amnaich dans la mobilisation à la fois ka pramol kamlang manuh des forces humaines teang kamlang manuh teang kamlang setekech et des forces idéologiques teang kamlang manuh kumbochea dans le but de gagner la guerre. D'ambei yok chneah songkrim. La victoire des Khmer Rouges du 17 avril 1975 a consolidé la conviction de Pol Pot comme quoi il n'existait qu'une seule et unique voie pour la survie du mouvement Khmer Rouge. Et par ce biais-là, la survie du Cambodge au regard des dangers venus du Vietnam, les dangers considérés comme les dangers les plus graves de tout le temps, après la réunification du Vietnam, c'était celle, il parle de la voie à suivre, c'était celle qui constituait à achever le processus de la révolution socialiste et l'édification du socialisme très rapidement. Ce document, rédigé par M. Khieu Somphong, établit que les coopératives ont été mises en place dès 1971-1972 et correspondent. À ce qui est développé dans sa thèse. Hai vie banchak teu avai dai ban leuk laeng neu khnong nikebabat robos kwat /27 aksa /27 il s'agit du procès verbal nikuchi monsieur Khieu Somphong le 13 décembre 2007 haet yok chamlai robos lok Khieu Somphong neu thngai ti 13 thnu chnam 2007 00 15 66 19 anglais 00 15 67 50 français 00 15 66 72. À une question de monsieur le juge Yubunzeng, quel était l'intervalle entre deux congrès? Avant la libération, ce n'était pas fréquent. Le premier congrès a eu lieu en 1960 à Phnom Penh, dans une maison près de la gare. Le deuxième congrès a eu lieu en 1971, dans la zone nord, Tongchini. Le troisième et dernier congrès a eu lieu en 1976 à Phnom Penh, à la cité des sports. Quant au comité central, il s'est réuni tous les 6 mois, à partir de 1970. Le comité permanent, lui, se réunissait régulièrement, environ tous les 7 ou 10 jours, ou plus souvent en cas d'urgence. De plein droit en 1976. Les membres stagiaires étaient peut-être ce que certains ont appelé membres candidats. Mais il n'y avait pas, à ma connaissance, de membres de réserve. Je demeure toujours dans l'objectif de rester dans le contexte historique et de montrer que dans la présence, l'action au plus haut niveau de monsieur Khieu Somphong. L'histoire récente du Cambodge, IS 4.23. ERN Khmer 00 10 38 46 anglais 00 10 38 46 anglais 00 10 37 56.
0 0 10 37 57 français 00 59 54 40. Monsieur Kyosampan, dans ce passage, fait état de ses états d'âme vis-à-vis du prince Sihanouk, du fait de l'attitude de Kaï. Je me sentais désorienté quelque peu à chaque fois que je me penchais sur le problème de l'établissement d'une échelle de prix. Les différents produits en l'absence de tout échange monétaire des marchandises. Quant aux relations entre la direction du PSK et le prince, étant donné le fossé qui les séparait, la rupture me paraissait inévitable. Et je ne voyais pas comment je pouvais contribuer. Je me sentais vraiment gêné par l'injustice des dirigeants que M. Kyosampan est présent partout. Je rappelle que j'ai montré qu'il était chef des armées. Je cite la pièce 10/125/81. Il s'agit de la déposition de M. Sos Romli. Immédiatement, j'informe, il s'agit d'un témoin qui n'a pas été qui ne sera pas entendu, n'a pas été proposé d'être entendu, et je ne citerai que des passages liés au contexte historique avant 75 et ne vise aucun accusé. C'est pour prévenir toute objection. En 73, des villageois se sont soulevés contre l'ordre d'arrestation d'un leader religieux du village. Les villageois ne le livraient pas à la main de deux gardes de la sécurité du district. Ces derniers ont été poursuivis par des villageois et le bureau a été détruit. Im, meneur de la révolte, s'était enfui en direction de la forêt quand des gardes de renfort étaient arrivés dans une pagode. Plus massivement à bord de voiture. À ce moment-là, environ 20 villageois étaient arrêtés et conduits dans des voitures. Les gardes avaient demandé aux villageois des villages avoisinants de surveiller les révoltés pour assurer que personne ne s'enfuyait quand des cadres y viendraient arrêter des villageois
dont le nom figurait sur leur liste. Par la suite, les villageois restants dans le village ont été convoqués à des réunions tenues sur 5 endroits différents de la commune. Durant les réunions, ils ont été critiqués d'avoir participé à la révolte. Les personnes arrêtées étaient attachées par série. À raison de 10 personnes par série. En même année, parle de la même année 73, ils avaient évacué le cham du village entier en ne laissant que 15% dont moi-même. Je souligne la raison pour laquelle je donne ce document, sa pertinence est pour moi de montrer qu'il y a des événements majeurs importants et que il n'est pas possible qu'il soit passé inaperçu aux yeux et aux oreilles de M. Kyusampang pendant cette période. Puisque je le rappelle, j'ai débuté ma présentation par une déclaration de M. Kyusampang qui a dit le peuple me rendra justice chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je le dénonçais. Je cite la pièce D125/95. Merci, Monsieur le Président. Je cite la pièce D125/95. Une question à monsieur, au témoin, Sman Ad. Au moment de l'arrivée des Khmer Rouges dans ce village, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ces gens n'étaient pas des bienfaiteurs. Dès le début, ils nous interdisaient de respecter et de pratiquer la religion. Ils ont confisqué nos livres du Coran. Puis ils nous ont demandé de couper nos cheveux. Le chef de la sécurité a commis de la commune s'appelait Meng. Il était responsable de l'arrestation de nombreuses personnes. Ils arrêtaient les gens le jour et en particulier le vendredi. C'était le jour où les hommes allaient saluer le Dieu à la mosquée. Ils ligotaient les mains des gens massivement. Ensuite, ils les escortaient vers le centre de sécurité du district de Krochna. Il s'agit de la pièce D166-181. L'audition du témoin, l'homme savant. Toujours pareil, non cité. ERN
00 35 54 45, anglais 00 35 81 45, français 00 40 81 84 22. Nous sommes dans l'année 73. Les Khmer Rouges ont commencé à forcer les moines à défroquer en disant les moines vivent aux dépens d'autrui. Ils doivent se défroquer pour participer à la lutte pour la libération du pays. Certains moines dans ce monastère de Chambak n'ont pas accepté de quitter le froc et se sont réfugiés au Vietnam. Quant aux moines qui n'ont pas osé s'opposer aux Khmer Rouges, ils ont quitté le froc. Dernier document. Il s'agit du document E3/9. C'est le livre de Philip Schock, dont la traduction n'est pas achevée, mais la traduction a été demandée, Monsieur le Président, et donc on peut vous en informer. Il s'agit, donc je n'ai pas de RN Khmer, j'ai le français, l'anglais, 00 39. Philip Schott relate un événement extrêmement important avant 1975. Il s'agit de l'attaque le 3 mars 1974, la bataille de Oudong. Difficile de l'ignorer. Au milieu de la matinée, la plupart des défenseurs avaient déjà été repoussés à l'intérieur d'un étroit périmètre centré autour d'un temple au sud-est de la ville. Au bout de 3 semaines de siège, la redoute tomba. Et plusieurs milliers de soldats du gouvernement et de réfugiés civils furent massacrés. On affirma plus tard qu'un certain nombre d'entre eux avaient retourné leurs fusils contre leur propre famille. Les éternels civils accompagnant les campagnes militaires cambodgiennes. C'est un commentaire. Avant de se suicider pour éviter la capture et la torture, la population de la ville, soit environ 20 000 personnes, furent rassemblées et conduites à pied vers la forêt de Palel, un secteur inhabité à l'est de Schrock, Umok avait une base militaire. Avant d'être transféré dans des coopératives de la zone spéciale et du sud-ouest, les fonctionnaires, les soldats en uniforme furent séparés des autres, conduits à l'écart et tués. Poussé au désespoir par la sévérité du régime imposé par Kepok, environ 40 000 villageois de la zone nord profitèrent d'une poussée des troupes gouvernementales pour fuir en masse les secteurs libérés. Et se réfugier dans la ville de Kampong Thom. Leur récit de la brutalité des cadres
Khmer Rouge. Lok Vathien som oi Lok Mithavi an yeut chieng nang bontei pu chi atabat sae pi ba Lok Vathien. An phnai chong kraoy mynh Lok Mithavi doy khang bo prae bo at tuan. Phnai chong kraoy. Bacheak lang mynh ne phnai chong kraoy mynh dae bo prae mon tuan. Oui, Monsieur le Président. Je ne sais pas où se situe la dernière partie. Je vais reprendre. Poussé au désespoir par la sévérité du régime imposé par Kepok et Khoithon, environ 40 000 villageois de la zone nord profitèrent d'une poussée des troupes gouvernementales pour fuir en masse les secteurs libérés et se réfugier dans la ville de Kampong Thom. Leur récit de la brutalité des cadres Khmer Rouges du travail. J'arrête là. Je vous propose, Monsieur le Président, de terminer mon intervention par la diffusion de la dernière vidéo qui correspond donc au film de M. Aronovitch et Stefan Lindberg, pièce C'est le passage donc de la 41e minute 36e seconde à 42e minute 39e seconde, puis 42e minute 18e seconde jusqu'à 42e minute 39e seconde. Maintenant, tiens, bon après, bon attendant, puis mon pile, ในในได้ปะปนตะนึง วิดีโอ นึงเนี่ยบ่ប្រែបបមិនតាន់ទេហើយបើបបមិនតាន់ទីអ្នកសោតទោះហ្នឹងក៏ស្ដាប់មិនតាន់ដែរដល់ប្រកបទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរមិនអាចដំណើរការបានល្អទេនឹងល្អអាចល្អមិនខានសូមលោកអានម្ដងទៀតនៅពេលវេលាជាក់លាក់នៃខ្សែវីដេអូដែលលោកស្នើសុំឲ្យបញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍សម្រាប់អង្គសម្ដែងការទាំងមូលនេះ Il s'agit donc de la 41e minute 36e seconde à la 42e minute 39e seconde, puis 42e minute 18 secondes à 42e minute 39e seconde. Avec les services de la vidéo, nous avons identifié ce passage sous le numéro 1. តាមសំណើសុំរបស់មេធាវីដំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលបានស្នើផ្នែកពាក់ព័ន្ធចុងក្រោយអំពីនេះ Je le suis tout le temps comme une ombre. ខ្ញុំ ដើរ តាម គាត់ ដោយ ស្រមោល តូល តាម ប្រាល អញ្ចឹង Qu'est-ce qu'il a dit pendant ces réunions? តើ គាត់ បាន និយាយ អ្វី ខ្លះ នៅ ពេល ប្រជុំ ទាំង នោះ Situation politique. គាត់និយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នពីអូសៀនសមរដីពាត្រីយូទិកស្នេហាជាតិលីយេអាឡាកូនសាភ្ជាប់ទៅនឹងសតិអារម្មណ៍វណ្ណៈឌីប៉ាក់ទីសតិអារម្មណ៍បៈសាក្រីហ្វីសគាត់និយាយអំពីពលិកហើយនឹងពីវីរភាពឯ
demande à tous les cadres de se faire de penser, de vivre comme des paysans. Alors moi, Monsieur le Président, j'ai terminé mon intervention par la présentation de ces documents. Et simplement, je voudrais dire que mon équipe, tous, nous avons cherché des documents rédigés par M. Kieu Sampan qui, pendant cette période, donc contexte avant 1975, aurait attirer l'attention ou se serait opposé à tous les événements tels que la prise d'Oudong, le maltraitement des religieux ou autre. Mais nous n'avons rien trouvé. Nous avons cherché et nous nous sommes posé la question de pour quelle raison il n'y avait rien. Et soit nous ne sommes pas des bons chercheurs, comme il l'indique dans son histoire récente du Cambodge, à mettre en application ses thèses d'en haut. Merci, Monsieur le Président. មេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យថាត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រមាណទៀតនៅក្នុងការដាក់ឯកសារជាពុំមុខអង្គជំរះនៅរសៀលនេះបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានសម្រាប់រសៀលនេះមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យត្រូវការរយៈពេល2-30នាទីទៅ45នាទីប្រសិនបើគ្មានការជំទាស់ទេបាទសូមអរគុណលោកប្រធាន Thank you, Mr. President. I don't think that there will be a problem as far as we are concerned. I don't think we will need more than an hour and a half to present our documents and talk about related issues. But my client would like to go downstairs and for the remaining of the proceedings from the holding cell. But he would also like to comment on all the documents which were presented. And my request would be to allow him to do that tomorrow morning, first thing tomorrow morning. And allow my client to go downstairs. And I will remain downstairs after that. ក្នុងការធ្វើការអធិប្បាយទៅលើឯកសារដែលដាក់ដោយភាគីសហប្រិញ្ញានិងក្រុមមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនីដែលប៉ុនប៉ងធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនេះគាត់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាប្រមាណដែរប្រហែលជាប្រមាណដែរ I'm sorry, I forgot to mention. He would like to comment also to the documents presented by the prosecutor, and it would not take more than 10 to 15 minutes altogether. បាទអរគុណដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់ច្បាស់មកដល់អង្គជំនុំជម្រះឥឡូវនេះដល់ពេលសំឡងសម្រាប់ហើយហើយដោយសារអីមិនមាននេះមានសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដែលបានស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកទៅបន្តតាមដានការចំណើការសម្រាប់ការពីចម្ងាយតាមនៅបន្ទប់
ខាងក្រោមតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ដោយលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចដំណើរការសមាការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសមាការនៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះយល់ព្រមតាមដំណើរសុំនេះដោយបង្កប់ឲ្យខាងផ្នែកខាងសោទស្សន៍ភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាតាមដានកិច្ចដំណើរការសមាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់គាត់នៅក្នុងឡុងពេលសមាការនៅរុស្ស៊ីនេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមហើយនឹងប្រកបឲ្យនាំលោកខៀវសំផននៅរុស្ស៊ីនេះមកកាន់សាលសមាការឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះ